Le 4 avril 2024, c'est Smash VRS est sorti sur MetaQuest 3, MetaQuest 2 et Pico 4 au prix de 19,99€. Également disponible sur PlayStation VR 2 depuis le 23 mars 2023, le casse-brique en réalité virtuelle de Wolfenwood, édité par Rapid Eye Movers, remet au goût du jour un classique méconnu de Sega. Quel drôle d'oiseau que Cosmic Smash! Initialement sorti sur Naomi le 11 janvier 2001, avant d'être porté sur Dreamcast le 13 septembre de la même année. À mi-chemin entre Squash et casse-brique, l'OVNI de Sega Rosso se distinguait par son esthétique minimaliste ainsi que son boîtier extraordinaire au format DVD à la place des jewel cases traditionnels de la console. Le titre n'a pas aussi durablement marqué l'histoire que d'autres jeux de l'éditeur, dont Rez, sorti quelques mois après et auquel on le compare régulièrement. Avec ses Smash VRS, nouvelle interprétation sous licence officielle qui ne donne pas son nom, Wolfenwood érige justement un pont entre les deux expériences. On retrouve ainsi son gameplay dynamique et son esthétique singulière, le travail pointilleux sur l'ambiance et l'immersion de la réalité virtuelle, en revanche, le rapproche de Res Infinite. On est donc toujours en présence d'un jeu de squash cosmique, même si les voyages orbitaux à bord d'un vaisseau spatial remplacent le réseau du métro d'antan. La prise en main façon motion gaming est excellente, et les coups droits comme les revers sortent tout naturellement. Les effets sont exagérés, mais faciles à réaliser. Les déplacements latéraux s'effectuent au joystick ou en se déplaçant de gauche à droite pour les plus courageux. Attention à l'espace toutefois, un lustre ayant fait les frais d'un smash rageur au cours du test. Dans cette vision moderne du casse-brique, le level design se révèle particulièrement soigné. Les panneaux ont des propriétés suffisamment différentes pour varier les approches. Outre ceux qui possèdent plusieurs barrières, certains se déplacent ou éliminent leurs voisins. D'autres font office de portail, la balle ressortant alors d'un autre panneau. Par ailleurs, le joueur possède un coup chargé, aux effets différents comme traverser plusieurs parois d'un seul coup, ou coller la balle à la raquette pour viser plus précisément le coup d'après. En raison de son ADN arcade, une partie se termine assez rapidement, d'autant plus que l'expérience n'est jamais punitive. On peut pratiquer ses Smash VRS dans des conditions parfaitement relaxantes, sans se soucier du chronomètre par exemple. Plusieurs runs sont nécessaires pour explorer tous les embranchements et un mode multi sympathique en ligne prolonge l'expérience. On éprouve néanmoins des difficultés à trouver des adversaires et on espère que les serveurs se peupleront davantage au fil des semaines. Le titre bénéficie en outre d'une réalisation absolument époustouflante. À commencer par son aspect graphique minimaliste que l'on croirait issu d'une production de Tetsuya Mizuguchi. Les environnements sont colorés, contrastés et évocateurs d'une esthétique propre à l'ère Dreamcast. La prédominance de la couleur orange n'est très certainement pas un hasard. Mais où ces Smash VRS transcendent Cosmic Smash, c'est sur le terrain de l'ambiance sonore. Que dire de la bande-son électronique aux allures de techno minimal qui fascine dès le somptueux écran-titre. Les morceaux sont notamment composés par Danalogue, des groupes The Comet, Is Coming et Soccer 96, Ken Ishii qui a contribué à Rez et Uncle. Ce voyage, ce trip même, nous emmène aux portes du Flow State, sans jamais les déverrouiller cependant. Wolfenwood n'a pas opté pour une expérience synesthétique et les environnements n'évoluent-elles pas au rythme de nos actions. On aurait apprécié plus d'ambition de ce côté pour que le titre franchisse la frontière du chef-d'œuvre. Mais aux confins de l'espace, le jeu vidéo prime et ses Smash VRS nous ramènent à sa réalité de casse-brique du futur telle que fantasmée à l'aube de l'arcade. Ses Smash VRS obtient la note de 8 sur 10. Avec ses Smash VRS, Wolfenwood livre une nouvelle interprétation de Cosmic Smash dans une ambiance électronique. L'atmosphère est immersive au casque, grâce à une bande-son tonitruante et une esthétique minimaliste. Par ailleurs, le studio n'oublie jamais l'ADN arcade de son casse-brique, transcendé par le motion gaming. À croire que les plus grands classiques de Sega ont été imaginés, il y a plus de 20 ans, pour la réalité virtuelle.